Bonjour à toutes et à tous, ici la développeuse du dimanche et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 31 du journal de bord. Alors, un épisode un petit peu différent de d'habitude, je vous l'accorde, puisque aujourd'hui nous n'allons pas parler de propaganda. Et oui, comme je l'ai dit dans la vidéo bilan des 3 ans, nous faisons une petite pause sur le projet pour se consacrer à un autre jeu. Si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous recommande d'aller y jeter un œil puisque j'y explique le pourquoi du comment de cette décision et le contexte dans lequel l'idée du jeu est arrivée. Du coup, on va mettre les armes et les explosions de côté pour se consacrer à des petits chiens tout mignons. Alors c'est parti, accrochez-vous, je lance la pause Puppy Cross. Commençons par le commencement et voyons ensemble le concept du jeu. Si je devais résumer le concept très grossièrement, on peut dire qu'on aurait un espèce de mix entre un jeu de Picross et le jeu Neko Hatsume Kitty Collection. Mais avec des chiens du coup. D'un côté, un jeu de réflexion qui consiste à reconstituer un dessin à partir d'une grille chiffrée. Et de l'autre côté, un havre de paix customisable qui recueille des petits chiens mignons. Voyons ça un peu plus en détail d'un point de vue game design. Car si moi je suis une grande fan de Picross, eh bien ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Déjà, bon, j'utilise le terme Picross parce que c'est une licence très connue de Nintendo, mais en réalité ce genre de jeu, précisément, ça s'appelle des nonogrammes. Et la partie nonogramme, c'est le pilier central de notre jeu. Voici comment elle se présente. Une grille avec sur deux côtés des chiffres dans chaque ligne et colonne. Il peut y avoir des grilles de toutes les tailles, mais pour vous expliquer simplement comment ça marche, on va se baser sur une grille de 5 par 5. Chaque chiffre indique une série de cases dans la ligne ou colonne correspondante qu'il faut griser. Par exemple, si un indice de la ligne affiche 2, 2, cela signifie que sur cette ligne, il y a deux cases côte à côte à griser, suivi de deux autres cases côte à côte à griser. Il y a forcément un espace entre ces deux séries de cases, car si elles étaient collées, la ligne afficherait 4. C'est grâce à ces indications qu'on peut déduire l'emplacement de toutes les cases dans la grille et ainsi révéler un dessin. Parce que ouais, c'est ce qui fait un petit peu le charme des nonogrammes, c'est de révéler un dessin à la fin et en fait pendant le temps qu'on va griser les cases, essayer de deviner ce que ça peut bien être. Ça, c'est donc notre gameplay de base. Mais voyons maintenant le petit plus qui va faire que le jeu sera unique. Car oui, le but ici n'est pas de proposer un clone de jeu de nonogrammes comme on en trouverait partout sur tous les stores. L'idée, c'est quand même d'ajouter un petit plus qui fait que le jeu se démarque et a sa propre identité. Et ce petit plus, dans Puppy Cross, c'est l'aire de jeu. La zone dans laquelle on va pouvoir accumuler des petits chiens mignons et des objets de décoration. Comment ça fonctionne? Eh bien le fait de compléter une grille de nonogrammes va nous permettre de débloquer un objet ou un chien à placer dans l'aire de jeu. Mais attention, uniquement si le joueur ou la joueuse a réussi à compléter le puzzle dans un temps imparti. Chaque erreur incrémente le chronomètre de 30 secondes. Si on dépasse le temps imparti, on peut tout de même passer à la grille suivante. Mais si on veut débloquer les objets, il faut être efficace. Le but est de construire sa petite zone paisible et cosy comme on en a envie. On met les chiens qu'on trouve les plus choux dans une déco qui nous plaît pour se détendre. Les interactions resteront assez limitées, on veut que ça reste simple à produire, mais on pourra regarder nos petits chiens se balader, pousser des objets, et si on a le temps, je l'espère, on pourra peut-être les caresser. Car je rêve secrètement d'apparaître sur le compte Twitter Can You Pet the Dog? La complémentarité de ces deux piliers passe par un gros travail sur l'interface. J'avais envie qu'on ait l'impression que l'aire de jeu soit toujours là, qu'elle continue à vivre même quand on ne regarde pas. Et je pense qu'on a réussi à mettre ça en place, je vais vous montrer la petite ruse qu'on a utilisée. Ici, c'est l'écran principal du jeu, l'écran sur lequel on va choisir les grilles que l'on veut compléter. Vous voyez le petit arc de cercle là en bas de l'écran? Eh bien ça, c'est notre petite astuce. Si je clique dessus, on voit le cercle grossir et révéler l'aire de jeu en dessous. Et si on veut revenir aux grilles, même fonctionnement dans l'autre sens. Les deux zones ne sont jamais vraiment séparées. Et le petit effet qui fait bouger l'arc de cercle
contribue, je trouve, à montrer qu'il y a des trucs à faire de l'autre côté, une sorte d'appel à cliquer pour découvrir la suite du jeu. Et je vais vous montrer comment on a réussi à obtenir cette transition dans Construct 2. On va utiliser une fonctionnalité de Construct, le blending, mélange ou fusion en français. Les blending ont diverses utilités qui sont décrites dans un exemple intégré à Construct. Pour le trouver, il faut cliquer sur File, New, puis Example, Blend Modes. On peut obtenir pas mal d'effets sympas si on mélange deux sprites avec différentes options de fusion. Celui qui nous intéresse pour notre menu est l'effet qui fait disparaître une partie d'une image, comme si on perçait un trou dedans. Il s'agit du Blend Destination Out. Maintenant, imaginez deux couches de layers, une supérieure et une inférieure. Ce qu'on fait dans notre cas, c'est que l'on met notre aire de jeu et tous ses sprites dans la couche supérieure et tous les éléments du menu de navigation dans la couche inférieure. À ce moment-là, le layer inférieur est complètement masqué par celui du dessus. Si on rajoute ensuite un simple cercle avec le blend mode Destination Out dans le layer supérieur, il va faire disparaître tous les éléments de ce layer qui sont sous lui sans affecter les sprites des autres layers. Et paf ! Ça fait des chocs à pic ! Pour effectuer les transitions, on fait grossir la bulle jusqu'à ce qu'on ne voit plus aucun élément de la couche supérieure. Puis, on supprime la bulle et on inverse les deux couches. L'aire de jeu se retrouve en dessous et le menu au-dessus. L'œil humain n'y voit que du feu. Si on fait réapparaître la bulle, on voit bien que l'aire de jeu se trouve désormais en dessous. Avec ça, on a une transition vraiment fluide qui nous plaît beaucoup. Il n'y a pas que le gameplay et les interfaces qui façonnent une expérience de jeu, mais il y a aussi l'ambiance et le contexte dans lequel on va plonger nos joueurs et joueuses. Ici, le but est de faire un environnement calme, cosy et mignon, et il est important que la direction artistique soutienne cette démarche. Vous avez pu voir pas mal à quoi ça ressemble avec les différents extraits que je vous ai montrés. Même si ce n'est pas encore terminé, on a déjà cette ambiance pipou qui se dégage. Et ça reste quand même vachement mieux qu'au début, parce qu'avant, ça ressemblait à ça. Mais l'ambiance, ça passe aussi par le son, et on a la chance de pouvoir travailler avec Mon Plaisir qui nous a fait des petites compositions en adéquation parfaite avec l'ambiance visuelle du jeu. D'ailleurs, toutes les musiques que là vous entendrez en fond de cette vidéo sont ses compositions. Voilà, donc tout ça c'était le cœur du concept du jeu. Une fois que celui-ci a été posé, j'ai pu commencer à travailler sur les grilles, c'est-à-dire... Réfléchir au nombre de grilles totales, déterminer leurs dimensions, chercher toutes les races de chiens que je veux dans le jeu, admirer leurs photos sur Google, les trier par taille, les dessiner en pixel art, se dire qu'on aurait pu appeler le jeu Nonosgram, mais que ça s'exporterait mal à l'étranger, ouais non c'est pas... Et rêver au jour où moi aussi, j'aurai un chien. Mais une fois qu'on a dessiné nos grilles, comment envoyer ces informations à Construct 2 ? Il est temps de passer à la partie technique. Une grille de Picross peut se résumer en une ligne binaire, une succession de 1 pour les cases à griser et de 0 pour les cases vides. On a ainsi stocké toutes nos grilles sous cette forme dans un seul fichier XML. Quand on a besoin de générer une grille en particulier, on va pouvoir chercher cette ligne de caractère facilement et la transposer dans un tableau. C'est juste l'intégration manuelle qui est un peu relou. Samuel ? Samuel, ça va ? 1-0-0-0-1-1-0-0-0. Oh ! Maintenant, on veut faire apparaître nos nonogrammes à l'écran. Dans l'ordre, qu'est-ce qui se passe quand on crée une grille ? On crée tout d'abord un tableau avec le nonogramme cible, et un tableau vide que l'on remplira au fur et à mesure que le joueur coche des cases. Si à un moment donné, ce tableau est égal au nonogramme cible, alors cela veut dire que le joueur a terminé sa grille. On crée autant de cases que nécessaire, plus ou moins grandes selon la taille de la grille. Nous, on veut que tout tienne dans un carré de 800 pixels par 800 pixels. Le plus compliqué, c'est que pour chaque axe, on doit calculer quels seront les indices à afficher. Ceux-ci ne sont pas stockés quelque part, tout préparé comme les grilles. On doit analyser le tableau du nonogramme cible, ligne par ligne et colonne par colonne. Quand on rencontre une case vide, si la précédente était grisée,
alors cela interrompt forcément une série de cases et on peut en déduire un indice. Les indices des axes ainsi obtenus sont ensuite stockés dans deux tableaux cibles en deux dimensions, un pour les lignes et un pour les colonnes. Il ne reste plus qu'à les afficher. En cours de partie, on entretient un tableau similaire avec les séries de cases actuellement présentes dans chaque ligne et colonne. Et en comparant avec le tableau cible, on peut suivre l'état d'avancement de chaque axe. On a aussi ajouté des options activables ou non en fonction des joueurs et joueuses pour rendre l'expérience de jeu plus confortable. Comme par exemple, pouvoir griser plusieurs cases en ligne droite ou en dessin libre si on maintient le clic gauche appuyé. Pouvoir surligner la case actuellement survolée. Pouvoir griser les indices quand on a actuellement grisé une série de cases qui lui correspond. Et pouvoir sauvegarder et reprendre sa partie plus tard. Toutes ces options ont demandé pas mal de boulot, mais elles rendent un résultat assez pro, dont on est vraiment content. Mais ça serait un peu long de devoir vous expliquer le détail de chacune d'entre elles, malheureusement. Et il me reste encore plein de choses à vous raconter sur le développement de Puppy Cross. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on parlera notamment du mode nonogramme aléatoire et où on verra plus en détail comment a été codé et designé l'aire de jeu. D'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, restez cool et à la prochaine !